Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Qui osera prendre la mesure du fait religieux? Presque personne n'admet la vraie essence d'une religion monothéiste, révélée et universaliste. Le projet théologico-politique lui est consubstantiel. La révélation garantit l'unité et l'absoluité de la nécessaire conversion. Face à un tel déferlement de puissance doté d'autorité, aucune vérité concurrente ne peut se maintenir. La nécessité de l'universalisation ne supporte aucun obstacle. Faire entrer toute la terre dans l'ordre de la révélation ne conduit qu'au totalitarisme. Avant l'islamisme radical, le christianisme connut la même tendance. Les croisades ou la controverse de Valladolid en attestent. Mais le catholicisme a renoncé à ses propres assises. Il s'engonce dans des compromis qui s'abaissent dans des compromissions. Il fallait écouter le propos de Fellini dans une scène mordante, celle du défilé de mode ecclésiastique dans Fellini Roma. Une vieille princesse désabusée reconnaît que, avant, le monde suivait l'Église. Avant. Désormais, l'Église s'adapte. Le porte-flambeau est devenu un transavat. Ce faisant, elle renonce à sa propre identité. Le Concile Vatican II, bien loin du faste de celui de Trente, entérine ce renoncement à soi. Le christianisme connut un dessein hégémonique, totalisant et universalisant au nom d'une vérité irrécusable. Seuls quelques radicaux soutiennent encore cette aspiration. L'islamisme fonctionne exactement selon les mêmes principes premiers. L'islam des Lumières existe, de même qu'au temps des conquêtes chrétiennes en Amérique du Sud ou en Asie, des voix catholiques s'élevaient contre l'instinct de conversion. Tout se cristallise dans ce terme, la conversion. Elle est le nœud autour duquel se rejoignent les destinées des projets théocratiques. Les premiers chrétiens assassinèrent Hypatie avant qu'un obscurantiste décapite rituellement Samuel Paty. Ce choc des universalismes devait programmer une lutte sans merci pour la domination terminale. Mais le catholicisme, ayant déserté le champ de bataille, l'ultime ordalie n'a pas lieu. Dante inclut pourtant sous cette loi ordalique le destin de Rome dans sa monarchie. Il reste un conflit autre. La culture et la civilisation européenne se dressent face à l'expansionnisme islamiste. L'islam, mais pas l'islamisme, fait désormais partie de cette civilisation occidentale. En naissant dans l'ouverture du paganisme romain et son rite de l'évocatio, la civilisation occidentale, ou européenne si l'on craint un mot trop chargé, contient dans son essence la piété et le dialogue des dieux et des panthéons. Dialogue qui, notons-le, car ceci importe, n'est pas un œcuménisme d'abaissement et de compromission. Maurizio Bettini en fait un motif capital de son éloge du paganisme. Précisément parce qu'elle se fonde dans cette piété romaine et son sens de l'humanitas, notre civilisation ne peut, en ses tréfonds, jamais accepter aucune soumission sans retour à la totalisation théologico-politique. Toujours des hommes, même peu nombreux, se dressèrent contre elle. Ils s'appelèrent Frédéric II de Hohenstaufen,
Erasme ou encore Victor Hugo. Nous aspirons, à l'instar du néoplatonisme, à l'unité. Toutefois, nous vivons génétiquement dans le rapport aux multiples. L'islam est une partie de notre culture, mais pas toute notre culture. Notre civilisation se revendique d'un goût pour la liberté, issu des échanges fructueux entre Athènes et Rome. Il ne cédera pas face à l'univocité théologico-politique. Caton, dans la Divine Comédie, garde le purgatoire précisément parce qu'il incarne cette postulation originaire de la liberté. La valeur républicaine que nous chérissons se fonde dans des aspirations autrement plus anciennes que l'héritage de 1789. Il convient de ne pas l'oublier. Notre devoir d'Européen, et peut-être encore plus de Français, nourri de Rabelais autant que de Descartes, est de préserver cette capacité d'entente du discordant, tout en préservant notre aspiration innée et atavique à la liberté. Nous ne connaissons pas la guerre des monothéismes que nous redoutions, mais nous avons une civilisation réformée en liberté totale, comme dit Rabelais, à défendre face à des forces de mort. Éternel combat d'Ormuz et d'Ahriman. Avons-nous encore de quoi défendre cette liberté, liberté chérie, de notre triple national, dans un couplet rarement chanté? Ou bien, à l'instar des compromissions du catholicisme, avons-nous renoncé à tout? Il faut l'admettre, le danger est réel. Tant de fautes civilisationnelles préparent à ce renoncement fatal et coupable. À force de vouloir tendre l'autre joue, n'oublions pas que cette expression est néo-testamentaire, à force d'entretenir un amour de la culpabilisation, nous sommes prêts à nous haïr au point de nous soumettre avec consentement sous alibi de moralité aux tyrannies qui nous affrontent. Si, comme le pensait Héraclite, le conflit est père de toute chose, celui qui ne s'aime pas assez pour se défendre est déjà vaincu. Tout un tas funeste, nouveau bûcher de Siegfried, de mots en isme, prépare à ce renoncement. Ce n'est pas avec un relativisme au teint pâle que nous combattrons un absolutisme de conquête. Ce n'est pas avec un nihilisme crasseux que nous ruinerons les projets mortifères s'autorisant d'une vérité révélée. Seul un absolu de liberté, retrouvé dans le fond et les plis de notre civilisation, né d'Athènes et de Rome, est en mesure de remplir ce noble office. Trop de traîtres dans notre propre camp prétendent nous en priver. Tout ceci nous conduit au plus grand pessimisme quant à l'avenir de notre propre civilisation. Elle consentirait à son achèvement. Freud, en bon diagnosticien, avec Oswald Spengler ou Paul Valéry, tous profondément différemment, reconnurent le malaise dans notre culture. Seulement, il faut méditer cette parole ultime de Hölderlin : là où il y a danger, la croix aussi ce qui sauve. Ce qui sauve, das Rettende, c'est le catéchon, le rétenteur de la seconde épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Le converti, encore un, et quel chef de file de l'universalisme. Le converti du chemin de Damas mentionne un être ou une force qui retient le mystère d'iniquité, le déchaînement du mal radical, moins conscient qu'antichristique. Là se pose l'arcane des finalités dernières. Il serait bon de consacrer une étude serrée aux enjeux de ce catéchon multivalent. Il préserve le monde du déchaînement du mal. Il retarde aussi la venue du royaume. Ce qui, en première analyse, préserve le monde, en dernière analyse, ajourne les bienfaits attendus de l'Apocalypse. Le monde
n'est pas destiné à une expirose immédiate. Les jours de sang et de larmes, mais aussi ceux du dernier salut, sont retardés. Revenons à Hölderlin. La formule est limpide. Dans les 1000 périls que nous subissons, avec les dernières mortifications, quelque chose doit surgir et retenir ce déferlement terrifiant. Par-delà les traits nécessaires du reste, textes légaux ou autres chartes de la laïcité, nous trouvons de quoi défendre cette liberté naturelle. Cette mission est de la plus haute importance. Trouver des voies assez fortes liées à cet absolu de liberté pour retenir le déchaînement de cet absolu totalitaire et mortel. Les voies possibles sont rares. J'ai cité Rabelais. Il est au cœur de ce dispositif de sauvegarde. Mais, pour rester dans le sujet de cette suite d'émissions qui prend en ce jour un tour imprévu, la voie de Dante est à suivre, comme lui-même piste la panthère dans les forêts italiennes. Rudy Imbach parle, à propos de Dante, d'une philosophie pour les laïcs. Différemment, Alain de Libera montre que la felicita mentale couronne une voie philosophique médiévale. Une finalité de bonheur terrestre, fondée sur l'unité de la philosophie et de l'Empire, contre la théologie de l'Église prévaricatrice, trouve place à côté de l'éternelle béatitude des élus dans la rose mystique du paradis. C'est déjà un dessein et un destin de laïcité, comme le montre Cournet. Le refus du rôle ancillaire que Thomas d'Aquin octroie à la philosophie se double d'une sortie de cette dernière hors des universités. Ceci s'accomplirait, selon de Libera, dans le banquet de Dante et sa théorie de la noblesse. Je lui consacrerai bientôt au moins 2 émissions. Différemment, Bruno Pinchard montre que Dante s'engage dans une religiosité renouvelée, une religion de Béatrice, qui, retrouvant le culte des mères que chériront encore Goethe et Nerval, défie les monothéismes patentés. Autrement encore, une voie mène à Rossetti, à Guénon, en passant par Valli, Péladan ou Redini, sans même oser parler d'Evola. Elle cherche non seulement une hérésie de Dante, mais encore un ésotérisme initiatique et politique qui raccorde l'Alighieri à la tradition primordiale occultée, en latence, altérée, on s'en sera plaisir. Toutes ces voies s'entremêlent. Je pense, par exemple, au formidable travail de Bruno Pinchard sur Rossetti ou à l'attention que les noms prêtent à ce même Rossetti et à Eugène Aroux. Parfois, ces voies s'opposent. Mon but n'est pas de les exposer en elles-mêmes. Ce travail, comme celui du Catéchon, est nécessaire. Pour l'heure, je veux revenir plus directement au texte de Dante. Son œuvre, conduite à un absolu de liberté face aux prétentions épouvantables d'une théocratie militante. Le plus grand cadeau de Béatrice à Dante est celui de la liberté. Il renchérit l'octroi virgilien du libre arbitre. Si Dante est un prophète, il annonce certes, selon le titre d'un ouvrage de la Dame, un monde uni, mais bien davantage l'accomplissement de la liberté face au diktat atroce du théologico-politique. Dans un premier temps, nous verrons que Dante, à la fois le plus nationaliste et le plus cosmopolite, est engagé dans un dialogue avec l'islam plus nuancé qu'il n'y paraît. Ensuite, nous verrons que le ghibellinisme de Dante affirme, malgré un commentaire autant lumineux que problématique de René Guénon, une première laïcité sur 2 fronts. L'autonomie de la philosophie vis-à-vis de la théologie, au moins dans le banquet. Puis la séparation des pouvoirs spirituels et temporels de l'Église et de l'État, derrière nous depuis 1905. Enfin, nous projetterons cette laïcité germinale
dans une linguistique générale qui problématise la dette envers une langue sacrée pour mieux fonder celle des hommes, des enfants et des nourrices. Je consacre ma présentation de ce jour au premier point. J'ai conçu le plan dans l'urgence afin de répondre aux sollicitations du ministère en ce jour de rentrée de novembre 2020. Je suis sidéré d'écrire ces lignes exactement au moment où le terrorisme frappe la ville de Mozart et de Beethoven. Mes deux après-midi ne suffisent pas pour écrire de quoi remplir ce programme en trois points. Je me contente donc aujourd'hui du premier point. Les deux éléments restants seront traités plus tard. Dante entretient vis-à-vis de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen une relation ambivalente. Il damne le second vent de Souabe parmi les hérétiques. Il récuse sa définition de la noblesse. Cependant, sa lignée trouve d'illustres représentants dans le paradis. La doctrine politique de l'empereur excommunié, quoique croisé, séduit un homme exilé injustement par les ultra-catholiques et qui défend l'ordre du temple. La grande biographie d'Ernst Kantorowicz situe Dante par rapport à l'idéal politique de Frédéric II. Elle reconstruit la profonde circulation des savoirs en Sicile. Par-delà les combats de Saint-Jean d'Acre ou de Terre Sainte, l'île était un carrefour de savoirs. Les livres et les hommes se côtoyaient dans une harmonie que l'on peut regretter. On ne compte pas le nombre de traductions d'une langue à l'autre entre grec, arabe, hébreu et latin. La fécondité culturelle de l'Andalousie est souvent citée en exemple. La Sicile des Hohenstaufen n'a rien à lui envier. Dante vécut plus tard. Il semble n'avoir jamais voyagé bien plus au sud que Rome. Tout juste rêve-t-on d'un passage à Naples à cause de la topographie de l'entrée des enfers. Alain Nadeau en fait un ouvrage surprenant. Dante ne connut pas cette efflorescence sicilienne. Mais il vécut les douleurs d'un exil immérité. Il se confronta sûrement à Bologne, peut-être à Paris, à des savoirs qui nous échappent. Renucci a beau tenter de déterminer ce que l'Alighieri put lire, où et quand. Les transmissions orales, ou plus secrètes, demeurent ombrageuses. Le vent d'échange sicilien souffle jusqu'à Dante. L'enquête sur les sources de la Divine Comédie et de l'ensemble du corpus remonte au balbutiement de la dantologie, du moins pour ce qui concerne le chant français. Avant son grand livre, Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle, Frédéric Ozanam consacra une étude aux sources du grand poème. Il ne s'arrêta pas à celles antiques ou médiévales. Il envisagea davantage des traditions venues de terre d'islam, voire d'Orient. Après lui, de l'Écluse, toujours au XIXe siècle, insiste sur les chants d'amour musulmans éventuellement transmis par le trobar provençal, qui influença durablement notre auteur lorsqu'il cherchait le Dolce Stil Nuovo. Pour peu, on rêverait d'une lecture des œuvres de Rumi ou du Cantique des oiseaux par Dante. Blochet va encore plus loin dans la dette de Dante envers l'Orient. Ce n'est pas parce que Dante ne cite pas ses sources qu'elle ne l'inspire pas. Avant d'autres reprises contemporaines, Miguel Azin Palacios montre dans un épais ouvrage la dette de Dante envers l'eschatologie musulmane. Trop affirmatif, l'ouvrage est excessif, mais il ouvre des possibilités fécondes. Le débat, suscité par cette thèse lors de sa parution, est à la dimension de ses enjeux. La préface de Carlo Ossola à la récente réédition de l'ouvrage en donne les points fondamentaux. À
titre d'exemple, on pourrait approfondir le rapport entre l'échelle dans le ciel de Saturne, dans le champ 21 du paradis, l'échelle de Job dans l'Ancien Testament, et le voyage nocturne du prophète. Cette mise en parallèle est d'autant plus stupéfiante que, à en croire Ossola, Palacios ignorait le livre de l'échelle Mahomet, amplifiant les sourates concernant l'Isra et le mirage. Béatrice demande à Dante de noter ce qu'il voit et entend. Dans le Coran, Gabriel invite le prophète à révéler au peuple ce qu'il vit au cours de sa catabase et de son anabase. Le judaïsme connut la même idée dans la Bible hébraïque. On peut penser aux 10 commandements dictés à Moïse, à la révélation d'Ésaïe ou de Jérémie. Elle connut aussi la même idée dans la tradition liée à la figure mythique d'Enoch. L'Apocalypse de Saint Jean est aussi à citer. En somme, la Commedia est le livre révélé de la religion de Béatrice. Palacios articule sa démonstration autour de 3 éléments principaux. La structure d'ensemble du monde et les topologies infernales et paradisiaques, une même application des récompenses et des peines, un rapport similaire à la symbolique de la lumière. Aussi bien l'architecture générale du poème que force détail proviendrait de l'eschatologie musulmane et notamment d'Ibn Arabi, même s'il est peu probable que Dante ne l'ait jamais lu. Seule la référence au voyage nocturne du prophète, bien plus que les nombreux voyages d'outre-tombe du monde chrétien, par exemple chez Raoul de Houdan, rendrait compte de la profusion de détails dans la topologie dantesque et dans la structure d'ensemble du grand poème. Le mirage expliquerait jusqu'à la répartition des peines infernales et des vertus célestes. La loi du talion, le contrapasso, et le dévoilement progressif de la lumière, si cher à Didier Ottaviani et Alessandro Benucci, sera des remémorations de l'eschatologie musulmane. Ossola ajoute que ce n'est pas en vain si cette loi du contrapasso, nous y reviendrons, est exposée précisément dans le champ 28 de l'enfer, celui où Dante rencontre Mahomet. Aujourd'hui, cette dette, au moins partielle, de Dante envers le spiritualisme musulman est globalement acceptée. Bruno Basile est de plus en plus isolé dans son refus. Telle est la rencontre sublime entre le sommet de la spiritualité occidentale et le soufisme. René Guénon en tirera des textes essentiels, notamment mais pas exclusivement, dans son ésotérisme de Dante. Dante avait un accès au contenu de l'islam. Massimo Campanini le rappelle dans Dante et l'Islam, l'Impireo della Luce. Le rapport entre ces deux forces de l'esprit est controversé, mais tout particulièrement dans la cosmologie, les traces d'arabisme sont évidentes. Les deux mondes, arabe et occidental, ne furent pas seulement réciproquement hostiles. Ils interagirent continuellement. Le texte cité de Carlo Ossola appelle à une reprise générale de l'étude à large échelle entre les deux civilisations, de l'Empire de Charlemagne jusqu'à l'orée de la Renaissance. Le mode de circulation des influences nous échappe en partie, mais il reste un contact très étroit. Ossola le proclame. Ainsi, au moment où s'ouvrent les grandes vannes de la culture islamique médiévale dans ses contacts avec l'Occident chrétien, une question se pose d'une toute autre complexité, à savoir si ce ne serait pas encore le grand code biblique, à la fois canonique et apocryphe, qui agirait en sous-main à la manière d'une référence commune aux deux traditions. N'en déplaise à l'actuel professeur au Collège de France,
l'hypothèse peut être poussée plus loin. Dante, la culture de l'islam, emprunterait à un même fond indo-européen des atavismes réciproques. Il faudrait un nouveau Georges Dumézil plus qu'un Palacios pour restituer cette communauté originaire. Le projet est lancé. Cependant, la critique des sources et la philologie venue du 19e siècle allemand exigent d'autres voies. Il faut attester par des textes la connaissance que Dante avait de cette culture. Ossola propose trois canaux de transmission qui rejoignent nos propos antécédents. Les textes latins ou romans qui, outre le Liber de Scala, ont apporté à Dante des personnages et des éléments de l'histoire de la mystique latine. La culture romane dans la tradition islamo-arabe passée par le long des filières siciliennes et provençales jusqu'au Stil Nuovo, puis jusqu'à la Vita Nuova, au banquet et au rime de Dante. La lecture du paradis, aussi bien pour ce qui est la métaphysique de la lumière que pour la valeur emblématique de Cigé. Nous ne pouvons pas suivre chacune de ces voies. Il reste que Dante entretint résolument des contacts étroits avec la culture musulmane. Le nombre de références à cette dernière lorsque Dante rencontre son maître Brunetto Latini en attesterait. S'agissant des intermédiaires entre Dante et l'eschatologie musulmane, Ossola mentionne intelligemment, après Émile Malle, une transmission par les beaux-arts. Palacios, donc, ignorait comment Dante accédait au livre de l'échelle Mahomet. En 1951, Maxime Rodinson précise la configuration textuelle de cette corrélation. La Bibliothèque nationale de Paris possède un manuscrit latin qui renvoie à un autre français qui se trouve dans le fond d'Oxford. Ce manuscrit est une version latine et française d'un Kitab al-Miraj attribué au prophète Muhammad lui-même. Enrico Cerulli et José Muñoz Sandino éditèrent ce manuscrit après la parution de l'ouvrage. Cet ouvrage provient d'un texte castillan, lui-même traduit de l'arabe par Abraham le Juif, médecin à la cour d'Alphonse X le Sage, 1221-1284. Le manuscrit castillan fut ensuite traduit en français et en latin en mai 1264, soit un an avant la naissance de Dante. Cette œuvre est le fait de Bonaventure de Sienne, lui aussi officiant à la cour d'Alphonse X, en guise de notaire. Rodinson estime que le manuscrit de Bonaventure de Sienne circula rapidement dans l'Occident médiéval. Il comprenait notamment ce fameux livre de l'échelle. Dante put y avoir accès, même si aucune preuve ne peut être donnée. Mais, au jugement du critique français, entre littérature musulmane et le poète toscan, le fossé infranchissable qui semblait exister se trouverait comblé. On avait trouvé l'anneau manquant. Concomitamment, Cerulli montre que le voyage nocturne du prophète est mentionné dans un autre manuscrit en Aragon. Ce dernier, daté de la première moitié du XIIIe siècle, est antérieur au livre de l'échelle. Il faut citer encore l'Historia Arabum de l'archevêque Rodrigo Ximénez Rada, 1170-1247, et la Chronica Générale, précisément d'Alphonse le Sage. Paradoxalement, des textes dirigés contre l'islam véhiculent aussi à leur corps défendant les traditions de cette religion. Déjà, à la fin du IXe siècle, à Cordoue, les Mozarabes enseignait aux chrétiens la psychologie et l'eschatologie musulmane, comme en atteste la collection tolédane. Reprenant ses roulis, Rodinson conclut. Tout ceci prouve qu'à l'époque de Dante,
un certain nombre de connaissances sur l'eschatologie musulmane était le bien commun de la culture européenne. Il est alors très improbable que Dante s'y inscrit dans le projet philosophique de son temps, en ignora le contenu. Il en est de même de l'astronomie arabe. Elle est condensée dans les tables alphonsines. Jean-Patrice Boudet montre leur immense influence par-delà la cour d'Alphonse de Castille. De même, les circulations des savoirs dans la Sicile des Hohenstaufen excédèrent le sud de l'Italie. Lorsque Béatrice meurt, afin de parfaire son symbolisme numérologique dans une tradition pythagoricienne, Dante se réfère au calendrier arabe et syrien. Sa cosmologie est imprégnée, certes, d'un christianisme du monde de Ptolémée, comme l'affirme Graziella Federici Vescovini, mais aussi de l'astronomie arabe. On pourrait approfondir l'influence d'Al-Farabi ou d'Abou Mazar. Rodinson avance d'autres sources possibles. Dans une sorte de défi lancé à Palacios, il propose une transmission par les Juifs des connaissances dantesques envers la culture musulmane. Depuis Ozanam et Charles Labitte, jusqu'à nos jours, nous citerions encore un texte récent de Robiglio ou une conférence de Joseph Santacroce en 2013 à la Grande Mosquée de Paris, la dantologie s'est vouée à la recherche des sources de la Divine Comédie. Parmi ce travail, la mise en œuvre d'une forte inspiration, mais méfions-nous des exclusivismes, d'une forte inspiration dans la culture notamment astronomique et eschatologique musulmane, est un axe majeur. Le propos de Palacios est sans doute outré. Dans d'autres parutions autonomes, un livre de Valeria Pucciarelli en 2013, ou des chapitres d'ouvrages, dans le Dante de Louis Gillet, seraient à citer. Nul ne doute plus de cet atavisme de Dante, eu égard à la fine pointe spirituelle de l'islam. Il reste à en revenir au texte, en commençant par le plus problématique. Par-delà cet héritage que nul n'ignore plus, Dante avait toujours la crainte d'un bûcher papal, comme Pascal avait toujours avec lui son gouffre se mouvant, selon l'expression approximative de Baudelaire. La fécondité des échanges entre le christianisme éventuellement ésotérique et la mystique soufie d'Ibn Arabi n'empêche pas le combat entre des orthodoxies et des dogmatiques figées. Selon les lois de la polysémie du second livre du Banquet ou de l'épître à Can Grande della Scala, les rencontres entre les sens analogiques cohabitent avec les haines des littéralistes. Dante ne l'oublie pas. Il rêve d'une communauté unie des hommes dans le premier livre de la Monarchie et dans la fin du premier livre du traité de l'éloquence en vulgaire. Tous ceux qui condamnent cette unité recherchée sont criminels. Dante conjugua un attachement farouche à cette Italie dont il désespérait, avec la volonté martelée d'être un citoyen du monde, comme la mer est au poisson, dit-il. On pense souvent que sa condamnation des schismatiques en enfer est la marque d'un esprit sectaire catholique. C'est totalement faux. Dante, homme le plus central du monde, selon John Ruskin, n'est pas fait pour les querelles de clochers ou de minarets. Il voit une église devenue putain sodomisée, des mosquées gardées par l'affreuse méduse, celle du Caravage, et piétine le Sanhédrin crucifié à même le sol en enfer. Comment croire, après de telles audaces, qu'il se satisfasse de la superficialité des orthodoxies sans descendre dans les profondeurs d'une religion intérieure? Le tort véridique des schismatiques, peu importe leur religion, est de briser l'unité idéale de l'humanité, fondée notamment chez Aristote. Selon la loi du contrapasso, ils subissent une peine analogue à leur faute.
ceux qui brisent l'unité du genre humain, se voient altérés dans leur corps, enfin, dans la condensation d'air qui forme les corps des damnés. La vue de Mahomet et de son gendre Ali donne un spectacle à retourner littéralement le ventre des lecteurs. Dans le chant 28 de l'Enfer, Dante rencontre les schismatiques. Ceux qui divisèrent les hommes subissent des mutilations sanglantes. Deux damnés, horriblement meurtris, se présentent à Dante et Virgile. Je cite les vers 22 à 33. Jamais tonneau sans douve, ni fonçaille, ne bâilla comme un être que je vis, crevé du col jusqu'au trou d'où l'on pète. Les boyaux lui pendaient entre les jambes. On voyait la fraissure et l'affreux sac qui change en merde ce que l'homme avale. Tandis qu'à fond je m'attache à le voir, lui, m'avisant, s'ouvre les mains, t'ouvre des mains le torse et dit « Regarde donc, je m'égaris, vois comme Mahomet est mutilé. » Et Ali, devant moi, s'en va, pleurant, le chef fendu de la houppe au menton. Parmi les commentateurs précédemment cités, plusieurs voient dans la blessure d'Ali une confirmation de la bonne connaissance cadente de l'islam. Cette religion présente en effet la mort de ce familier du prophète. Il est frappé à la tête et le sang coule du cuir chevelu juste sur la barbe. Exactement ce qui se produit dans le vers de Dante. Palacios montre que ce supplice de la blessure correspond à des textes eschatologiques musulmans. Dante retournerait contre le prophète ce qu'il a trouvé dans les textes musulmans eux-mêmes. Ceux qui ne jurent que par le refus de la caricature et ceux qui considèrent le blasphème comme une faute irrémédiable en sont pour leurs frais. Dante ne vit pas dans une culture de l'interdit irréfragable des images. Il reste thomiste. Il connaît la différence entre l'image, l'idole et l'icône. Je renvoie ici au beau livre à paraître, je crois, de Robert Giacomel sur la méditation par les icônes. Ce chant 28 de l'enfer constitua longtemps un obstacle à la pénétration de Dante dans le monde musulman. Aujourd'hui encore, des traductions omettent le chant en entier, ou au moins quelques vers. D'autres choisissent de cacher le nom du prophète et lui substituent celui d'Arius, fondateur d'une doctrine théologique, l'arianisme, condamné comme hérétique. Un schismatique en remplace un autre. En suivant l'idée que ce qui compte, c'est le fait de rompre l'unité et non le contenu proclamé, cette substitution pourra se concevoir. Aux yeux d'un chantre du monde uni, la faute d'Arius, mais Dante la connaissait-il, et celle du prophète reviennent au même. Ils sont des semeurs de discorde. À pareille supputation, pourquoi ne pas damner le Christ lui-même? Il affirme amener non la paix, mais la guerre. Il confesse qu'à cause de lui, le Fils s'élèvera contre le Père. Sans se mentir, on a beau exonérer ce traduttore et traditore, il reste que ce manque de probité philologique n'exaspère pas seulement Nietzsche, mais plus profondément, tout amoureux de la liberté. Revenons au texte. Il applique parfaitement la loi du contrapasso. Elle vient en partie de l'Ancien Testament, mais aussi de l'islam. Mahomet divisait la chrétienté en imposant le schisme musulman. Ali est responsable du premier schisme entre les chiites et les sunnites. Donc le savait-il? Les commentateurs ne s'accordent pas. On ne le saura plus. Il reste cette profonde vérité textuelle. Le prophète s'écarie comme il divisa l'humanité. La face d'Ali est coupée en deux, car le chef religieux était à l'islam. Dans les vers suivants, Mahomet s'adresse toujours à Dante. « Et tous les autres que tu vois ici
vêturent en semant scandale et schisme. C'est pour cela qu'ils ont ainsi fondu. Cruellement, là derrière, un démon nous schismatise au tranchant de l'épée, puis nous remet chacun dans cette file. Quand nous avons bouclé la triste route, car toutes les blessures se referment avant que l'on repasse devant lui. Aussi surprenant que cela puisse être, le jugement de Dante est nuancé. Le sort des damnés est épouvantable. Les deux pérégrins sont assez proches du fond de l'enfer, du mal absolu. Cette scène se situe dans la 9e bolge du 8e cercle de l'enfer. Toutefois, Dante n'accable pas les deux damnés, comme il le fait pour d'autres. Il serait abusif de prétendre que Dante est ému du sort du prophète et de son cousin. Il ne s'évanouit pas devant leur peine, comme devant les douleurs de Paolo e Francesca. Mais il ne les insulte pas copieusement, ni ne les flétrit. Le Dante auteur ne peut que condamner en 1308 les fondateurs de l'islam. Le Dante narrateur est assez neutre. Il donne la parole à ceux qu'il rencontre. Il ne le fait pas toujours. Dans le vestibule de l'enfer, par exemple, il affirme que les âmes sont si indignes qu'il ne sied même pas de les nommer. Le choix des termes vulgaires, bien traduits ici, serait presque comique dans un grand poème qui ne prête pas souvent à rire. L'allusion au trou qui pète et au sac à merde rappelle un diable ridicule qui fait une trompette avec son cul. Enfin, le Dante personnage est plutôt mesuré dans son face-à-face avec Mahomet et Ali. Il ne va pas jusqu'à les plaindre, il ne les exonère d'aucune responsabilité. Mais il n'affiche à leur égard pas une très grande hostilité, comme envers Capané par exemple. Il ne les préserve pas pour sûr, mais il ne profère pas à leur rencontre le même flot d'insultes qu'il réservait précédemment aux papes indignes, y compris ceux encore vivants. Mahomet n'est pas un adversaire de Dante, presque au contraire. Dans d'autres occasions, Dante rencontre des damnés qui lui sont fortement hostiles. Certains se délectent en lui prédisant le sort terrible qui l'attend. Virgile craint Ulysse, ne daigne pas répondre à un Dante qui ne parle pas grec. On ne trouve rien d'équivalent dans ce chant 28. Bien plutôt, comme d'autres damnés, Mahomet joue son rôle de prophète, au sens strict du terme. Dante justifie la prescience des damnés. Ils sont capables de prédire l'avenir. Ils voient assez nettement ce qui est loin devant eux. Mais ils sont condamnés à avoir une perception beaucoup plus imprécise du futur proche, voire à ignorer le présent. Le rapport entre le devenir et le passage sub specie aeternitatis est à ce prix. Dans ce cadre général, Mahomet fait presque figure d'exception. Il demande à Dante qui il est, question légitime. Mais c'est Virgile, j'y réponds. La mort l'épargne encore. « Et nulle faute ne le mène au tourment, » reprit mon maître. Mais pour lui en donner une pleine expérience, je dois, moi qui suis mort, le faire aller de cercle en cercle au profond de l'enfer. C'est vrai comme il est vrai que je te parle. » Premièrement, il est curieux ici de voir proclamer au fond de l'enfer, ou presque, une parole de vérité. Le poète, Virgile, celui qui, selon l'expression du banquet, délivre un beau mensonge, se porte par sa parole, garant du vrai. Le prophète parle au nom de Dieu. Il annonce une autre révélation que celle du christianisme. Il est cependant à son tour engagé dans ce rapport au dire vrai. L'espace dialogique devient le critère du vrai. C'est-à-dire que subitement, le poète de Rome accepte une vérité coranique? Non, bien entendu. Virgile sait que ces dieux étaient ainsi faux et menteurs.
Il reconnaît, mais trop tard pour lui, la vérité de la révélation christique. Comment solutionner cette amphibologie? Il faut distinguer le contenu de l'énonciation du fait de parler, la matière et la forme. La vérité ne porte pas dans cet échange inattendu entre Mahomet et Virgile sur le contenu de ce qui est dit, mais sur l'acte même de parler. Celui dont la parole, pour le Dante auteur, devait induire le monde en erreur, est cependant attesté dans la vérité de sa faculté d'élocution. Il dit faux, qu'importe pour Virgile, l'essentiel est dans le fait de dire. Il faudrait relier ceci au jeu du vrai et du faux, dans le Sophiste de Platon. Deuxièmement, Virgile ne précise pas que Dante va sortir de l'enfer. Il affirme simplement qu'il doit descendre jusqu'au fond de ce lieu de ténèbres. Souvent les damnés, mais encore les âmes du purgatoire, Casella, par exemple, s'étonne de voir Dante aller par ses chemins d'outre-tombe avec son corps vivant. Caton demandera si les lois éternelles ne sont pas rompues. Non, Dante échappe à la législation de la grâce sanctifiante autant que suffisante. Pour lui, elle convoquait une grâce plus radicale et singulière. Elle est autorisée au nom de la recherche de la liberté, répond Virgile à ce même Caton. Mahomet est frappé de stupeur, mais il n'interroge pas la finalité du voyage. Il se soustrait au règne des causes finales. Son domaine reste celui de la causalité efficiente et mécanique, vouée à la répétition. Faire le tour de la bolge, passer devant le démon et se faire écarrir, refaire le tour et guérir, à nouveau se faire couper en deux, dans un mouvement clos sur lui-même. Parce qu'il n'interroge pas. Mahomet n'apprend pas de la bouche de Virgile que Dante va sous peu voir le soleil, revoir les étoiles, dira l'ultime vers de l'enfer. Mahomet sait déjà que Dante est appelé à traverser par son centre la terre creuse et son royaume de donation. Il avait demandé à Dante son nom. C'est Virgile qui avait répondu. Faisant fi de cette nouvelle situation d'énonciation, Mahomet s'adresse à nouveau directement à Dante. Toi qui devrais sous peu voir le soleil. Comment le sait-il? Puisque Virgile ne l'a pas instruit, cette connaissance précède la venue des deux poètes. Elle se donne indépendamment de la situation dialogique. Est-ce un autre damné qui lui aurait révélé ce destin de Dante? Difficile à croire. Peut-il le prédire à l'instant de la venue des deux poètes face à lui? C'est problématique. Car alors, Mahomet aurait une vue claire et distincte d'un futur proche, ce qui est refusé aux damnés. Il reste une hypothèse. Mahomet sait de savoir inné, par don de connaissance divine, le chiffre du destin de Dante. Le prophète aurait un savoir techniquement prophétique. Non par répétition, non par hésitation. Brunetto Latini est beaucoup moins sûr de son propos lorsqu'il envisage le retour possible de Dante sur Terre. Mais par inspiration divine, divine surprise, Mahomet serait bien un prophète. Mais un prophète pour l'enfer. Toute l'économie du haut et du bas, toute la circulation des influx dignes de la table d'émeraude hante ces vers étranges, ces vers strani. Le problème se redouble par le contenu des paroles suivantes. Mahomet parle toujours à Dante. Toi qui devrais sous peu voir le soleil, dis à frère Doussin qu'il se munisse, s'il ne veut pas me suivre ici bientôt, d'assez de vivres pour que trop de neige n'offre pas à Novare une victoire autrement difficile à remporter. Dante ose tout. Le grand schismatique Mahomet, coupable d'avoir ruiné l'unité de la chrétienté et de l'humanité au nom d'une nouvelle révélation, demande à Dante de mettre en garde un frère, un moine, de ne pas commettre un schisme
Fais ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait. Mahomet garantit l'unité de l'Église et protège un hérétique en puissance. Dante fait allusion à un événement de son temps, selon le principe des prophéties antérieures. Le voyage de Dante se tient pendant la semaine sainte de l'année jubilaire 1300. Selon la chronologie établie par Enrico Malato, l'écriture de l'enfer commence vers 1307-1308. Ce chant étant le 28e, nous pouvons raisonnablement penser qu'il fut rédigé au plus tôt fin 1307. Dante, auteur, peut faire annoncer au Dante personnage ce qui eut déjà lieu. Or, en 1307, un hérétique, Dolcino, ici bêtement traduit en Toussaint, Dolcino Torinielli, subit le supplice du bûcher. Cet homme donna naissance à une secte chrétienne pendant le retour à la pauvreté. Le pape Clément V, honni de Dante, assiégea cette secte à Novare en 1307 et fit périr le malheureux Dolcino. Comment comprendre ce jeu étrange entre Mahomet et Dolcino? Ce sont deux grands schismatiques. L'un engendra ce grand schisme de l'islam, l'autre tenta piteusement un christianisme affranchi de la papauté. Cette dernière, malgré l'indignité du souverain pontife en place, garantit l'unité des croyants. L'opposition à la papauté, non seulement à la personne du pape, mais à la papauté comme idée, comme forme au sens platonicien. L'opposition à la papauté tend à détruire cette communion des croyants. Cette rupture est bien un schisme. Et c'est ce que craint Mahomet. Il demande à Dante d'avertir Dolcino. En persévérant sur cette voie de rupture de ban, le malheureux sera mis à mort et rejoindra le cercle des schismatiques. Mahomet tente de sauver l'âme de Dolcino et d'éviter l'apparition d'un nouveau schisme. Ceci nous faisait dire que Mahomet, ultimement, veille sur la chrétienté. Cependant, une opposition se fait jour aussitôt. Ce que Mahomet voulait éviter en 1300 se produisit bien en 1307 à Novare. Il échoua. Il n'atteignit pas le but de son avertissement. Le damné du mécanisme et de la répétition reste résolument en dehors de toute finalité. La question de son statut de prophète alors se repose. S'il possédait cette éminente qualité, il aurait dû savoir, lorsqu'il parlait avec Dante en 1300, que Dolcino ne serait pas sauvé. Sachant ce qui allait advenir, pourquoi chercher à l'éviter? Si Mahomet était averti de la nécessité de la damnation de Dolcino, pourquoi s'évertuer à ouvrir une autre possibilité? Il n'accède plus à la préscience ordinaire en enfer. Ces vers entérinent la radicalité de l'inversion et l'exceptionnalité du prophète. Les autres damnés ne peuvent pas savoir que Dante sortira revoir les étoiles. Lui, Mahomet, connaît ce futur. Inversement, les autres damnés peuvent prédire ce qu'il se passera bien des années, en l'occurrence 7. Après 1300, lui, Mahomet, en est incapable. À ce point, nous comprenons la signification de Mahomet. Nous accédons à l'idée dont il est le symbole. Guglielminetti voit dans ce rapport à Dolcino un simple exercice de journalisme, de faits diversiers. Cette invective inclut Dante dans la contingence des événements de son temps. Ceci fait honte à la puissance de pensée de l'Alighieri. Son destin n'est pas celui d'un reporter pour une chaîne d'information en continu. Pasquini, puis Quadlio, veulent voir une sympathie de Dante envers Dolcino. Le proscrit de Boniface VIII serait en sympathie avec celui que l'infâme Clément V persécute. Soit. Mais Dante ne témoigna jamais ailleurs de sa proximité avec Dolcino. Alors que l'amitié est une valeur qui lui est chère,
Il ne cesse dans ses œuvres de rendre hommage à ses amis et protecteurs. A commencer par le nom de l'Escala, par la famille des Polenta. Pourquoi seulement quelques vers sibyllins consacrés à Dolcino, dans un épisode qui engage à ce point le destin de l'humanité? Edward Said, guère favorable à Dante, nous y reviendrons, estime que le poète met en parallèle, pour mieux les discréditer, Dolcino et Mahone, deux sensualistes, enclins à la révolte. Ceci ne convainc guère. En quoi un être aussi obscur que Dolcino renforcerait-il la condamnation du prophète? Le texte cité tout à l'heure donne lieu à un duo qui eût été beaucoup plus riche, celui entre Mahomet et Ali. Quel besoin d'immiscer comme un cheveu sur la soupe, Dolcino. Il faut donc renoncer à ces interprétations. Modestement, j'en propose une autre. Dante condamne un mauvais processus d'inversion. Attention, bien souvent, Dante défend ce même processus d'inversion. Mais il n'oublie pas que ce dernier, parfois louable, possède en d'autres temps sa face noire, sa perversion. Du reste, l'étymologie invite à un rapprochement entre inversion et perversion. Le mauvais sens de l'inversion est incarné par Mahomet. Son schisme inverse, pervertit le retour du multiple à l'un. Dans le premier livre de la monarchie, Dante appelle, je l'ai dit, à l'unité de l'humanité. De multiple et divisée qu'elle est, elle doit revenir à l'un. Le schisme, donné à voir dans la matérialité du supplice, le fait d'être écarri, détruit cette quête de l'unité et ramène une multiplicité qui, en ce début de 14e siècle, apparaît déjà comme irrémédiable. De plus, comme nous l'avons vu, l'ordre de la préscience de Mahomet est à rebours de celui des autres damnés. Encore une inversion. Dante reprend cette mauvaise inversion dans le supplice des devins. Il rappelle dans le chant qu'il aurait consacré la nature du contrapasso. Ceux qui voulut voir sur terre trop loin, devant, ce qui pose le problème abyssal de la contingence du futur, de sa nécessité prévue dans l'intellect divin, ceux qui voulut voir trop loin ont la tête tournée. Les larmes qui tombent de leurs yeux baignent leur dos. Ce personnage de Mahomet symbolise également ce mésusage de l'inversion. Cette fonction d'un personnage, je reprends les termes de Cécile de Lay, cette fonction d'un personnage efface-t-elle la charge accusatrice contre l'islam? Non, sans doute. Nonobstant, la mesure s'impose. On comprend que ce texte puisse indisposer encore une partie de l'opinion musulmane. Dante pouvait d'autant plus s'en prendre au prophète que, à suivre au moins partiellement la thèse de Palacios et de Cerulli, il connaissait de près la culture musulmane. Je ne pense pas qu'il cède à cette damnation comme à un passage obligé, attendu par la société chrétienne de son temps. Dante est trop jaloux de sa liberté pour céder aux dictates de ce que nous appellerions anachroniquement l'opinion publique, même dirigée par un pape féroce. La damnation du prophète correspond à un projet. Ce dernier semble plus philosophique que théologique. La cause de cette damnation réside essentiellement dans un usage perverti de l'inversion qui retourne le multiple contre l'un. Il reste la cruauté du supplice. Faut-il voir chez Dante un immonde islamophobe et dans les traducteurs qui refusent ce chant des obscurantistes? Il y a loin des lèvres à la coupe. Adapter la traduction peut être un impératif de prudence au sens conscient. D'autres éminents personnages du monde musulman trouvent chez Dante une place fort honorable. Il serait trop long de mentionner l'ensemble de l'influence de l'islam dans l'œuvre de Dante. Guido Bellaticcioli les recense, y compris dans les œuvres mineures.
Dante ne cite pas seulement des personnages musulmans. Bien des situations sont éclairées à l'aune des relations multiscalaires entre les deux cultures. Par exemple, Guido da Montefeltro accuse Boniface VIII de ne pas assez guerroyer contre les ennemis du christianisme. Nous avons aussi cité l'influence des cosmologies arabes, du banquet jusqu'à la question de louer de la terre. Par exemple, dans le second livre du banquet, lorsque Dante explique le sens allégorique de la canzone, il insiste sur l'influence bénéfique des étoiles pour l'âme humaine. Il renvoie alors à Platon, mais aussi à Avicenne et à Al-Ghazali. Un point essentiel. Étienne Gilson insiste avec raison sur la dualité des fins dans le banquet et la monarchie. Deux bonheurs sont à distinguer, en cette vie et en la seconde vie auprès de Dieu. Si le banquet incarne le sommet du projet philosophique et théologique laïque, Dante doit maintenir une grandeur du bonheur terrestre. Gilson écrit, pour Dante, la félicité humaine que l'homme peut obtenir en cette vie par l'exercice des vertus politiques est une fin en soi, complètement distincte de cette fin plus haute qu'est la béatitude céleste et accessible par des moyens distincts de ceux qui peuvent conduire à la félicité de l'au-delà. La philosophie s'achève dans un bonheur indépendant de celui donné dans la foi. Le banquet enseigne un accès à un bonheur terrestre par le truchement de la philosophie et de la politique. La double nature de l'homme conduit à une double finalité. En tant qu'âme immortelle, l'homme est destiné au paradis. Mais en tant qu'être corporel, il possède une autre fin. Le livre 4 du banquet avance cette félicité de l'intellect. Nous nous délectons de l'usage de notre esprit. Cette sagesse philosophique, ces vertus morales et intellectuelles sont la cause de la noblesse de l'homme. L'Alighieri écrit « Donc, si l'esprit prend toujours plaisir à l'usage de la chose aimée, qui est fruit de l'amour, et si l'usage de la chose aimée est suprêmement plaisant, alors l'usage de notre esprit est suprêmement plaisant. Ce qui est pour nous suprêmement plaisant est notre félicité et notre béatitude, au-delà de laquelle il n'est pas de plus grand plaisir et aucun autre n'apparaît, comme l'on peut le voir à bien observer dans un an précédent. L'homme, considéré comme corps mortel, trouve son but et son bonheur dans l'acte de l'intellect. Ceci, nous y reviendrons dans notre seconde émission sur la laïcité, permet de défendre l'autonomie de l'empereur face au pape. Gilson commente. Dante soutient que l'homme a deux fins dernières. Si toutes deux sont dernières, aucune des deux ne peut être subordonnée à l'autre. Si elles ne sont pas hiérarchisables, les deux autorités qui président à chacun de ces deux ordres ne le sont pas non plus. La Providence, disions-nous, a proposé à l'homme deux fins dernières. Le bonheur en cette vie, qui consiste dans l'exercice de la vertu proprement humaine, et le bonheur de la vie éternelle, qui consiste à jouir de la vue de Dieu et que l'homme ne peut atteindre par ses seules forces naturelles sans le secours de la grâce. Or, faites observer Dante, de même qu'il faut des moyens de termes différents pour atteindre des conclusions différentes, il faut user de moyens différents pour atteindre des fins différentes. Nous parviendrons donc à notre fin dernière naturelle en suivant les enseignements des philosophes, c'est-à-dire en réglant nos actes selon la loi des vertus intellectuelles et morales. Nous parviendrons à notre fin dernière surnaturelle grâce à des enseignements spirituels qui transcendent la raison humaine, pourvu que nous leur obéissons en agissant selon les vertus théologiales, la foi, l'espérance et la charité. Ce texte de Gilson annonce tous les enjeux de la laïcité dantesque. La dualité des fins, loin de toute finalité sans fin chercante,
l'articulation de la philosophie et de la théologie. Il faudra y ajouter plus tard la distinction entre le pouvoir temporel et celui spirituel. Dans le premier livre de la Monarchie, Dante reprend cette idée. Il est donc évident que la puissance la plus élevée de l'humanité elle-même est la puissance ou vertu intellective. Ce qui conduit à une pensée finaliste. Je cite quelques phrases plus loin. On a donc suffisamment précisé que la tâche spécifique du genre humain, envisagée dans sa totalité, est d'actualiser sans interruption toute la puissance de l'intellect possible, en premier lieu pour faire connaître, et en second lieu, par conséquent, pour agir par extension de cette puissance. Nous voici en pleine querelle du monopsychisme. Cette définition de la connaissance comme actualisation de l'intellect possible renvoie au débat autour de l'œuvre d'Averroès. Dante n'est pas averroïste. On se référera à ce sujet à l'ouvrage « Dante et l'averroïsme » paru en 2019 sous la direction de Jean-Baptiste Brenet, Alain de Libera et Irène Rosier-Gattache. À l'instar de cette doctrine d'un bonheur de l'intellect séparé d'un bonheur dans et par la foi, le débat avec l'averroïsme est central dans l'ensemble de l'œuvre de Dante. Nous reviendrons dans la seconde émission consacrée à la laïcité chez Dante sur les arguments et sur les conséquences de sa distinction des ordres de la raison et de la foi, de la félicité terrestre et de celle céleste, puis du pouvoir du pape et celui de l'empereur. Gilson montre bien que ceci concourt à laïciser l'idéal de chrétienté universelle. Gilson insiste lucidement sur la dette averroïste de cette indépendance du bonheur comme fin terrestre, liée d'une part à la signification de l'humanité et d'autre part à la théorie de l'intellect possible. Il écrit « Certes, Dante doit quelque chose à la philosophie d'Averroès. Il lui doit exactement l'idée, d'ailleurs magnifique, d'une unité du genre humain en qui l'humanité tout entière atteindrait à chaque instant sa propre fin, qui est de posséder la connaissance intellectuelle totale dont il est capable. Mais il ne faut pas remonter de là à ce que cette idée implique chez Averroès. Il faut plutôt regarder de là vers ce qu'elle implique chez Dante. Une société à créer, pour obtenir une paix qui n'existe pas encore, en vue d'une fin que l'humanité n'a pas encore obtenue, parce qu'avant de l'obtenir, il lui faut d'abord exister. Il faudrait ajouter à cette position de Dante, dans le débat averroïste, la relation de la Ligierie envers Sigé de Brabant. Là encore, l'ouvrage de Libera est capital pour montrer l'étendue de l'influence de l'averroïsme arabisant ou latin sur l'ensemble de la pensée européenne. Et l'ouvrage « Dante et l'avéroïsme » est aussi éclairant. Il ajoute un autre problème. L'influence de Guido Cavalcanti, le premier ami de Dante, outre celle mentionnée de Brunetto Latini, sur la formation intellectuelle du Florentin. Nous ne voulons pas entrer ici dans ce débat très acéré. Il reste l'exemple ci-dessus. Dante défend un bonheur de l'intellect, une felicita mentale, pour reprendre le titre du livre de Maria Corti. Le projet philosophique du banquet et celui politique de la monarchie affirment une indépendance de la philosophie et de l'empire vis-à-vis de la théologie et de la papauté. Il est fort légitime de penser que ceci provient d'une tradition averroïste largement répandue. Pour achever cette trop brève exposition de la présence de la pensée musulmane en général et averroïste en particulier dans l'œuvre de Dante, juste dans les rites de cette dernière, Raffaele Pinto expliquant que le corpus dantesque est une réécriture permanente, il faut citer un texte important de la Divine Comédie. Le chant 4 de l'Enfer est l'un des plus émouvants. Avant d'entrer dans les lieux de souffrance physiquement éprouvés, Dante et Virgile traversent une belle vallée où se trouve un château symbolique. Ici cohabitent les sages de l'Antiquité qui n'ont pas commis de faute morale. La seule cause de leur présence en enfer est d'avoir vécu avant
la révélation christique. N'ayant pas connu le Christ, ils ne peuvent pas accéder au paradis, leur mérite leur vaudrait. Ils échappent à l'économie sotériologique. Même si Dante ménage de curieuses exceptions, à commencer par Caton. Passons. Virgile affirme clairement qu'il appartient à ce domaine. Le seul châtiment de ces sublimes âmes est d'être privé d'espérance d'accéder au paradis. Dante se trouve en compagnie d'Homère, d'Horace, d'Ovide et de Lucain. Virgile est le cinquième. Dante sait qu'il est lui-même digne d'être le sixième. Cette sublime compagnie rentre dans le château des sages. Dante y rencontre les héros, historiques ou mythologiques, de l'Antiquité. Il cohabite ensuite avec les grands savants réunis autour d'Aristote, le maître de ce petit savant. Bien plus surprenant, il voit le sultan Saladin parmi les héros. Et parmi les sages, il nomme Averroès et Avicenne, respectivement commentateurs d'Aristote et célèbres médecins. Il est facile de comprendre que les antiques ne purent pas connaître la venue du Christ, sauf à penser le prophétisme païen. Par exemple, celui de la quatrième églogue de Virgile, mise en relief par Jérôme Carcopino. Sauf à penser le prophétisme païen, cette dernière prophétie de la venue du Christ était réservée au peuple élu. Ces damnés sublimes sont coupables, mais pas responsables. Alors que Saladin, l'ennemi des Templiers et des Hospitaliers, Averroès et Avicenne, pouvaient accéder à la vérité chrétienne. Eux sont à la fois responsables et coupables. Ils mériteraient largement leur place dans d'autres cercles de l'enfer. Par exemple, dans le fleuve de sang des tyrans homicides pour Saladin. Or Dante les place parmi les héros et les sages. Ceux-ci témoignent de son admiration envers Averroès, Avicenne et Saladin. Dans le débat autour de la laïcité et des échanges entre cultures, la grande liberté de conscience de Dante se montre ici. Paradoxalement encore, la place de ces trois personnes en enfer est digne d'une grande déférence. Elle en est le signe. Il reste à lire le texte de Dante. Là, me furent montrés, droit devant moi sur les mailles verts, les esprits magnanimes, et de leur vue je m'exalte en moi-même. Je visais l'être en compagnie nombreuse. Je pus y reconnaître Aîné, Hector, César, armé au regard de vautour. Je vis Camille et la Penthésilée un peu plus loin, et le roi Latinus, assis près de sa fille Lavinia. Je vis Brutus, Tiersila Tarquin, Marcia, Julie, Lucrèce, Cornélie. Et je vis Saladin, seul, à l'écart. Quand je levai un peu plus haut les cils, je vis le maître de tous ceux qui savent, assis dans l'assemblée philosophique. Tous le regardent, tous lui font honneur. Et je vis la Socrate, avec Platon, siégeant plus près de lui devant les autres. Démocrite, pour qui le hasard règne, Anaxagore, Thalès, Diogène, Héraclite, Zénon et Empédocle. Je vis aussi le bon cueilleur de simples, c'est Dioscoride. Et puis je vis Orphée, Tullius, Linus, Sénèque moraliste, Euclide géomètre, Ptolémée, Hippocrate, Avicenne, Galien, Averroès, qui fit le grand commentaire. En 2012, l'association Lirouge 92 demandait à l'ONU que l'œuvre de Dante ne soit plus enseignée dans les programmes scolaires italiens, sous prétexte que ce serait un scandale que les enfants juifs et musulmans soient contraints d'étudier des œuvres racistes comme la Divine Comédie. La haine n'est pas là où on le croit. L'esprit d'ouverture à l'autre devient le projet de censure. Heureusement, dans un article publié en ligne,
Najat Gelab adresse une réponse bien sentie. Elle rappelle que, sans presque aucun équivalent en son temps, Dante était imprégné de la culture musulmane. Son œuvre, par sa vocation à l'universel, est, je cite, « un exemple notoire du dialogue », qui n'est certes pas un rapport de force, de la culture chrétienne avec l'islam. Cacciaguida, au paradis, se loue de s'être croisé contre le peuple qui usurpe vos droits, les chrétiens, sacrés, par la faute des papes. Cette dernière incise renouvelle l'accusation de Guido da Montefeltro contre Boniface VIII. Les papes sont plus responsables que Saladin. De même, Cacciaguida attaque le goût du luxe des Florentines contemporaines de Dante. Alors que Forese Donati dresse l'éloge de la pudeur propre aux musulmanes. Le chant 28 de l'enfer n'est pas exempt des clichés historiques et surtout moraux propres à la chrétienté de l'époque. Citant Édouard Saïd et Michel Foucault, Gélab libère Dante, ce chantre de la liberté, des injures lancées à son encontre par des individus aux ambitions incertaines, c'est un euphémisme. Saïd montre que la chrétienté médiévale construisit une image frauduleuse mais nécessaire du musulman en particulier et de l'Orient en général dans une visée de domination. Dante serait alors ni plus ni moins qu'un homme de son temps. Cette frileuse défense de Dante sous prétexte d'historicisme reste beaucoup trop ambiguë. Gélab renvoie alors à Michel Foucault. Ce dernier montre que tout pouvoir s'accompagne de résistance. Ainsi, même si Dante participe à un projet de domination, ce que je récuse, il témoigne concomitamment d'une volonté de savoir qui dépasse cette incrémentation culturelle. Najat Gélab écrit: et la résistance de Dante, c'est qu'en même temps qu'il vilipende la figure de l'islam, non seulement il en admire les produits philosophiques, mais en plus, il s'en inspire pour écrire son œuvre. Dante ne copie pas servilement un modèle issu de notre culture. Contrairement à ce que pense encore Cerulli, il ne le reprend pas non plus pour le porter à un degré d'accomplissement tel que le texte de source en serait ridiculisé. L'Alighieri est l'homme du dialogue fécond et libre. Ossola est plus judicieux lorsqu'il évoque la conscience partagée d'une émulation prestigieuse entre trois cultures gréco-arabes, hébraïques et latino-chrétiennes. Il s'y ajoute la considération fondée et répandue que seule leur concorde serait porteuse de sagesse. Il faut aller bien plus loin et ouvrir davantage le compas des relations entre Dante et l'islam. Saïd demeure trop nuancé et on voit mal en quoi Foucault est à la mesure du dossier. Dante, face à l'islam, ne se contente pas d'un multiculturalisme étriqué. Il entre dans une communion d'esprit et de cœur, une même foi profonde, avant celle des Télémites de Rabelais, anime les fines pointes spirituelles du christianisme et de l'islam. Dante, en grand initié selon Robert Bonnel, en chevalier spirituel évolien, en homme traditionnel guénonien, communie au nom d'une même sagesse ordinaire avec les sublimes élaborations d'un soufisme enfin séparé d'un projet théologico-politique mortifère fondé sur un littéralisme bas de gamme. L'idée de tradition primordiale est le vrai domaine du dialogue entre Dante et l'islam. Le titre d'une journée d'études du 10 octobre 2019, Dante, l'islam et la tradizione, dans une école romaine, pouvait peut-être mieux trouvé. Je conclus ce rapport, esquissé des rapports entre Dante et l'islam,
par la voix de Guénon, a éventuellement discuté avec celle de Dumézil. Ce n'est somme toute que le prologue à un travail de plus ample portée concernant la laïcité de Dante, cette laïcité chrétienne, par le Gilson. On comprendra aisément l'urgence de ces entrées médiévales, poétiques, philosophiques, spirituelles, pour penser les drames de ces dernières semaines. J'espère, toujours en collaboration avec LDV Média et grâce au beau travail de William Poquet, et si les configurations sanitaires le permettent, poursuivre très vite ce travail. Merci de votre attention. Aimez Dante jusqu'au bout. Lisez-le à grand renfort de Bécycle. Il est un viatique nécessaire, urgent et libre. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Thank you.